comme vous l'avez dit, je suis vraiment très heureux que l'on soit réunis ce matin pour, dans le cadre de la coopération décentralisée, signer une convention de partenariat avec nos amis de DACT, de l'agglomération Euro-Méditerranée, pour réaliser des projets dans le cadre de l'eau et de l'assainissement. Je dois préciser que le choix de ces deux secteurs doit faire du secteur qui correspond à la région aérienne dans la commune de Diabara, tous de la journée. Remercier mon frère Gilles qui a dirigé cette délégation, que je remercie au passage parce qu'ils sont tous donnés à fond pour qu'on arrive à ce stade, à cette journée de signature du protocole, en tout cas qui scelle le lien entre nos deux institutions. Et j'ai beaucoup d'espoir pour en tout cas l'avenir de nos deux communautés. Parce que les questions qui sont adressées, je crois que touchent leur vie au quotidien. Je voudrais saisir l'occasion également pour remercier l'équipe municipale de la commune de Diabara, qui depuis le départ a travaillé d'arrache-pied à ce qui nous a amené à la signature de cette convention. C'est une équipe très engagée, c'est des jeunes certes, mais ils sont conscients de l'enjeu et des challenges qui sont devant nous, pour que nous travaillions au développement de notre commune, au rayonnement de la station balnéaire du Cap Skirin, qui, on doit le dire, quelquefois, le Cap Skirin est connu de partout dans le monde, mais quelquefois, quand tu viens ici, il y a des endroits qui te déçoivent par rapport à ce que tu vois. Je crois que c'est le moment de travailler vraiment à rendre conforme l'image qui est lancé de par le monde, l'image du Cap Skirin, le rendre conforme à cette image-là. Je crois que c'est dans ce cadre-là que nous travaillons avec nos amis français, vraiment qui... Je suis très heureux que je remercie au passage, je suis très heureux de les accueillir ici. La mission va continuer jusqu'à demain, mais je crois que ce qu'on a fait jusqu'ici, nous donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Il faut rendre le Cap Skirin beaucoup plus attractif. Et les secteurs dans lesquels nous voulons travailler, je crois que vont contribuer à cette attractivité, parce que l'environnement, quand même, je crois que c'est ce qui permet d'avoir la première perception quand tu arrives dans un endroit. Je crois que c'est important. Ça va naturellement rendre plus attractif notre station balnéaire.